C'était il y a longtemps. En attendant le jour de son éveil, je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardien. Avant de s'éteindre, le voyageur a créé les spectres dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé? Je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps. De l'agonie du voyageur. Vous parlez du pouvoir des ténèbres, son ennemi de toujours. Dans la cité, on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants. Quoique plus tellement aujourd'hui. Les enfants n'ont plus besoin de ça pour avoir peur. Les ténèbres sont de retour. Cette fois, nous n'y survivrons pas. Ces armées nous encerclent. Les déchus n'en sont qu'à premier aperçu. Que puis-je faire? Vous devez repousser les ténèbres. Les gardiens se battent sur terre et ailleurs. Rejoignez-les. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes inséparables. Ces engrammes sont plus anciens que votre ordre. Soyez prudent. Oh, quel dent. C'est toujours un plaisir.
quoi un jardin? Éden? Hespéride? Hespéride comme Hespéros. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le voyageur a déniché un sacré champion. Tout se passe bien ce matin, gardien. Oui. Avez-vous besoin de quelque chose? Parfait. Faites bien attention, les dangers sont nombreux. Garde matinale, bon travail. Très bien. La sentinelle de la nouvelle monarchie souhaite avoir la première main. L'avant-garde signale que les déchus démontent des machines dans tout le cosmodrome. Je commence à croire qu'ils ont un but précis. Quoi qu'ils cherchent, mieux vaut le trouver avant eux. Bien, si vous prenez votre passereau, nous serons à la côte oubliée en un rien de temps. Thank you.
Nous approchons de la côte. Les déchus utilisent des amplificateurs de signaux. Voyons voir ce qu'ils transmettent. Une petite seconde. C'est un signal brouillé. Il ne provient pas des déchus. Voyons voir l'autre. Les deux sont reliés quelque part au relais cosmique. Allons voir ça.